Franckane, vous êtes également entraîneur de Aliénor de Gaudrel. Aliénor, qu'on a vu à son avantage tout l'été, qui reste sur une prestation au Sable d'Olonne, ça remonte maintenant à 2 mois quand même. Tu as un super VT à Anguin et en province, et elle a mérité un peu de repos en équipe. Elle a été éliminée dans le GNT de Nantes, et là on l'a remise pour Vincennes. Je pense qu'elle n'est pas à 100%, mais elle va se déférer des 4 parce que c'est une joueuse qui est très très courageuse et qui a fait vraiment des belles pertes sur cette valeur-là, donc on fait gérer. Bon, elle est un tout petit peu meilleure piste plate, mais est-ce qu'à Vincennes cet hiver, vous comptez sur elle pour la mettre à son avantage? Bah, si elle est au même niveau que cet été en Bénozère ou d'autres belles courses, elle aura des belles cartes à jouer. Maintenant, ce ne sera pas les mêmes pistes, donc à nous de gérer peut-être les efforts différemment. Donc là, a priori, si elle n'est pas forcément à 100%, vous allez courir gentiment la faire finir? Oui, bah, c'est son parcours à elle, faut mettre sa roue et avoir un bon dos. Quoi. Si elle est bien ramenée, elle va être dans les 4 cinquièmes au niveau des classements finaux, mais je pense que c'est surtout une question de préparation sur Vincennes, parce que le reste est généreux. Bon, vu sa qualité et sa générosité, on l'envisage à l'arrivée quand même? Ouais, c'est en équipe. C'est une pouliche, enfin une jument plutôt qui est depuis cette année, et elle a à peu près une deuxième jeunesse, donc pourvu que cet hiver ça continue.